Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui coloriage, j'ai attaqué aujourd'hui un nouveau coloriage qui vient de mon livre Steampunk de Jade Summer. Voilà, donc ça me change un peu de Emmanuel Collin. Donc j'ai commencé ce coloriage là, il n'est pas terminé parce que là c'est une page entière. Donc, je ne pouvais pas le faire en une seule fois. Là, déjà, la vidéo va être un peu longue. Donc, je m'en excuse déjà par avance. Donc, comme je vous ai dit sur la précédente vidéo, coupez la vidéo. Voilà, Fifi qui vient vous dire bonsoir parce qu'il est tard. Coupez la vidéo à moitié, si vous voulez, puis revenez la voir par la suite. Donc là, pour faire cette faire ce coloriage, donc j'ai utilisé deux boîtes de couleurs. Donc d'abord, pour le visage et la peau, j'ai utilisé les polycolores, voilà. Et pour le reste du coloriage, donc les cheveux et le début des vêtements, j'ai utiliser mes ça y est, j'ai oublié le nom j'ai oublié le nom de mes crayons mais oh là là, ça y est, Prismacolor, voilà. En plus, vous savez quoi, je suis en train de regarder une émission sur la mémoire. donc voilà, donc mes Prismacolors, donc pour le reste du coloriage. Donc j'espère que ce petit coloriage va vous intéresser, vous plaire. Donc là, il va être fait en deux vidéos. Donc là, aujourd'hui, vous avez le visage, la peau, les cheveux et le début des vêtements. Voilà, et ensuite sur la deuxième vidéo, il y aura donc il y a un petit singe en métal, et il y aura le fond de le reste des vêtements, bien sûr, et il y a le fond du coloriage également à faire. Voilà, donc je pense que j'arriverai à le faire sur une deuxième vidéo. Voilà, je ferai tout mon possible pour pas que vous ayez une troisième vidéo. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me donner vos commentaires, comme d'habitude, sous la vidéo. Si vous avez des questions par rapport à ce coloriage, n'hésitez pas non plus. Comme d'habitude, je vous mets en barre d'infos les numéros des crayons dont je me suis servi. Je vous les mets dans l'ordre dont je me suis servi. Et puis aussi la boîte, avec quelle boîte. Et puis voilà, je vous mets également le lien pour retrouver le livre de coloriage si jamais il vous intéresse, si vous aimez le steampunk. Et puis je vous remets les liens également des boîtes de crayons de couleur si vous êtes intéressé pour les retrouver. Voilà, et un peu de mon matériel que j'utilise pour faire mon coloriage. Voilà, donc vous aurez tout en barre d'infos. Allez, je vous laisse visionner cette vidéo et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Et je vous fais plein de gros bisous comme d'habitude et je vous souhaite un bon visionnage. À bientôt, bisous bisous.